شبات لك 18 داف كوفخة في حيط عمود لك شبات شابيتر 18 باج 128 A شكور اللي يلو نشمات أنيفتاريم مرات يشتين عليها الشلوم נתבת משרדה שנפטרת בית עולמה כיום הזה, אלו נשמת הרבנים, רבי אברהם בן שמילה, רבי דוד ניסים בן אישה, רבי דוד בן אסתר. בהצלחת ולרפואת כל חולי עמו ישראל, בכללם לרבי אהרון בן שוליקה, בנימין בן שמחה, חיים בן רחמנה וחיים בן משעודה ורות אלכסנדרה, אסתר חיה, בת לונה פטרישה, אשרי משלח להם רפואה שלמה בקרוב אמן כן יהי רצון. Nous sommes au début des lignes larges. Havile Kash, Havile Zeradim. Havile, c'est-à-dire des temps. Le Kash, Kash, c'est la paille, c'est le foin. Havile Zeradim et les branches de palmier, des tas d'oranges de palmier. C'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. Tanou Rabbanan. La Braïta dit Habile Kash, Habile Etim, Habile Zeradim, Imitikinan le Machal Behema Metatilin Otan, Behimlav En Metatilin Otan. Alors, comprenez que tout le problème pour pouvoir les déplacer, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut établir? S'ils sont mouxés. Si on peut les aider de les bouger. Pour les déplacer, il faut établir qu'ils ne sont pas mouxés. Pas mouxés. Et la défense, qu'ils sont mouxés. Alors, maintenant, il y a des fois où c'est mouxé pour quelque chose, c'est pas mouxé pour d'autres. Alors, d'où l'intention qu'on va donner à la chose depuis la veille de Shabbat. Quand on les entrepose, c'est quoi le but? Dans quelle intention on va les entreposer? Si c'est par exemple Kash ou Teven qui servent à la construction, ce serait quoi? Mouktsé. Ce serait Mouktsé. Bien sûr. Mouktsé. On ne peut pas les déplacer. Ce n'est pas déplaçable. Maintenant, si c'est fait pour du fourrage à donner aux bêtes, comme nourriture. Nourriture. Alors, ça ne serait pas mouxé. Ça ne serait pas mouxé, donc c'est possible de les déplacer. Voilà ce que nous allons apprendre dans la braïta. Vous avez tout découvert. Vous n'avez plus besoin de moi. Chas le shalom. Puisque vous comprenez alors. C'est parce qu'on a. On a un prof, Mishikhma Bamala, qui a beaucoup de patience pour nous. C'est comme Shah. Il a été invité pour une conférence et il a dit, vous savez de quoi je vais vous parler? Alors, une partie a dit oui, et l'autre a dit non. Alors, il dit, le oui explique au non. Et lui, il est sorti.
c'est bon. Avak. Tanou Rabbanan la Braïta dit. Habile Kash, Habile Aitim. Du foin. Ou des tas de foin. Ou des tas de bois. Le bois, il est fait pour la combustion. Alors, quand il est fait pour la combustion, c'est Moukté. C'est moukté. Mais s'il est tendre et frais, qu'on peut le donner à manger, il est plus moukté. Il est plus moukté. Habile etim. Habile zeranim. Et des tas de feuilles de palmier. S'il les a préparés le vendredi soir, avant de la rentrée du Shabbat, l'entrée du Shabbat, il les a préparés en vue de les donner comme aliment à la bête, comme devant servir d'alimentation à la bête. Métaltéline, autant, on peut les transporter parce qu'ils sont plus frappés d'interdit de moukse. Mais ils me lavent, sinon, si c'est pour autre chose, ce n'est pas pour la BMA, et métaltéline, autant. On ne doit pas les déplacer. Rashbag. Omer, Rashbag va aller à une autre définition. Il dit comme ça. Ce qu'on peut déplacer, il dit comme ça. Habilim, anitanim biya dehad mutar liyatatela. Bishtei yadaim asur liyatatela. Il dit Rashbag, des tas que l'on peut prendre à l'aide d'une main, Ken, Moutar le Tatelan, c'est permis, mais s'il faut deux mains pour les déplacer, Assur le Tatelan, pourquoi? Parce que ça fait un Torah qui n'est pas du tout nécessaire pour Shabbat. Donc, Rashi Gomer. Habilin, l'État, un italim qui se déplace, ils sont pris Beyad Ehad d'une seule main, Moutar l'Etatelan, il est permis de les déplacer, Bishtei Adaim, Assur l'Etatelan. Et quand il s'agit de les prendre avec deux mains, donc il faut un effort supplémentaire pour les déplacer, c'est assur. Mais non, on ne dit pas Yad Ahad. Oui. Et pourquoi il dit Yad Ehad? Parce que le langage de la Mishnah est riche. Et alors, il s'est enrichi pour pouvoir être à la portée de tous. Des fois, on n'accorde pas l'adjectif ken avec le nom. S'il est féminin, il s'accorde avec le féminin et masculin. On a enrichi comme ça en ne faisant pas du tout de distinction entre le masculin et le féminin. Par exemple, mais Mata Corinne et Shema Barvit.
בערבין, שזה בערבית. כן. הערבים, הערבים. Donc, on a simplifié. On a permis certaines formules, n'est-ce pas, pour simplifier le langage de la Mishnah. C'est commun qu'on voit des. C'est commun. Wow. Voilà, Bishteya Daim, c'est le féminin. Ken. La Ken, ça m'a l'air un peu. Havilim Anitalim, au lieu de Havilim Anitalim. Ken. Tout ceci pour donner la possibilité aux gens de ne pas alourdir, n'est-ce pas, ni le vocabulaire, ni l'accord grammatical. C'est le message sans tous les extras de grammaire. La Kavana? Comment? Faire passer le message sans toute la difficulté de la grammaire, etc. C'est sûr, la grammaire, après, on va l'apprendre. Quand, l'essentiel, c'est d'aller au plus urgent, c'est-à-dire l'information à l'achique. Après, pour faire du langage et du vocabulaire et de la grammaire, ça, on peut le faire par la suite. Okay. Habile Sia, le Coranit, Ezov, le Coranit. Ichnissan la etim, en mistapek mehen, be Shabbat. Le ma'achal behema, mistapek mehen, be Shabbat. Alors, Habile Sia, l'état de Sia. Sia, on va voir par la suite. Dans la Gemara, quel est le sens de Sia, quel est le sens de Ezov et Coranit. Mais sachez, c'est des plantes. Des plantes. Alors, Echnissan Laetim, s'il les a entreposées pour servir de voie de combustion, est-ce qu'il peut les déplacer? Non. Non. On ne peut pas les déplacer. Voilà, c'est une logique qui va se retrouver tout le temps. Abalichnissan, mais s'il les a, l'aïtim en mistapek mehen be Shabbat, il ne peut pas du tout s'en servir Shabbat. Afilou, pas les déplacer d'un point à l'autre. De les prendre de leur tas. Ken, il ne peut pas les toucher. Pourquoi c'est un mouktsé? Complètement. Maintenant, les machal behema, s'il les a préparés pour servir d'alimentation à une behema, mistapek mehen be Shabbat. Il peut le manger lui aussi? S'il veut manger, bien sûr. Et jamais il. Alors, comment il fait? Kotem beyad ve'ochel. Il coupe kotem. Kotem, il coupe les têtes. Soit il plie, il coupe beyad à la main. Pas avec un couteau, pas avec un kéli, mais auquel il mange. Ou bilbat shelo ikton bekeli, à condition qu'il ne coupe pas avec un kéli, parce que
le keli, c'est derechol. C'est comme ça habituellement, usuellement qu'il fait. C'est parce qu'il les a assignés aux animaux qu'il doit les manger d'une façon... Non, lui aussi il veut les manger. Ok, mais si c'est mahal qu'il aurait pu manger en temps normal avec la tête, il veut la manger. Ce qu'il y a à la tête, au sommet de la plante, c'est mangeable pour l'homme. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe à la main. Il prend la branche, il coupe et il mange. Mais en temps normal, il aurait pu le couper avec un couteau. C'est ça. Mais là, parce pendant que... Pendant le hol, il utilise le couteau. Pendant Shabbat, il ne doit pas utiliser le couteau. Pourquoi? Parce qu'il va faire l'usage de hol. J'essaie de comprendre. Est-ce que cet aliment-là qu'il mange, c'est en tout le temps que ça serait interdit de le manger avec un couteau ou parce qu'il a, il a été... Shabbat. Le mahal behema. Oui, mais c'est parce que cette nourriture-là, il a... Shabbat. Pour la behema, il n'a pas besoin de couper la tête pour la manger. Ce n'est que si lui, il veut manger, Shabbat, on lui dit de couper avec ses mains. Alors, c'est quoi? C'est comme s'il y a ksat mouktse, un peu de mouktse parce qu'il a assigné aux animaux? Non. Parce que s'il n'avait pas donné aux animaux, il a dit je le garde pour moi, il aurait pu utiliser le couteau. Pas du tout. Ah. Encore une autre fois. Ces trois plantes peuvent être mangées par l'homme. Qu'est-ce qu'il mange l'homme? Il mange la partie la plus raffinée, ce qui se trouve en haut. Le reste est mangeable par des animaux. Tu n'as pas besoin de couper à l'animal. Tu lui présentes comme il est, il va le manger. Maintenant, quand l'homme veut le manger Shabbat, alors on lui dit, parce que tu l'as préparé pour la behema, tu peux toi aussi manger. Okay. Mais comment tu vas manger? Tu vas couper. Alors, ne coupe pas avec le couteau, parce que le couteau, c'est un usage de hol. Autre pomme. Non, l'autre pomme. Le couteau, Rabbeinu, on peut l'utiliser pour d'autres aliments à Shabbat. Il veut couper un concombre, il n'a aucun problème de couper avec un couteau. Dafka, cet aliment-là, parce que cet aliment-là, tu veux l'apprêter pour l'homme, ne le coupe pas du tout avec le couteau. Parce que l'homme n'a pas l'habitude de manger cet aliment, c'est dans des cas rares. Il a, même s'il a l'habitude, il a une autre habitude, c'est de couper au couteau. Alors on va lui dire, parce que tu l'as préparé pour l'animal, et toi tu veux en manger? Ne le coupe pas comme tu fais pendant le hol. Coupe-le avec les doigts. S'il voulait couper pour l'animal, les animaux avec le couteau, il n'aurait pas eu le droit aussi. L'animal, tu ne dois pas lui couper. C'est vrai, mais par exemple, il y a des gros morceaux. Il va lui donner. L'animal, il va le couper lui-même. Il mange. Oui, Eric. Rabbi David, je ne vois pas la différence entre de ne pas couper avec le couteau pour ces aliments, alors qu'on va couper avec le couteau d'autres aliments qu'on mange régulièrement pour Chol et pour Shabbat. Aucun problème. Aucun problème de couper le concombre. Comment vous allez le couper? Avec les doigts, ce n'est pas possible. Comment l'apprêter? Tu l'apprêtes avec le couteau. Ça va. Mais cet aliment, parce que c'est spécifique, c'est à la fois etim, ça peut servir de combustible, comme ça peut servir d'alimentation.
quand ça sert d'alimentation, il n'est pas mouktsé. Et l'homme peut le manger s'il veut manger. Par exemple, l'anis, il veut manger. On va voir, quand il coupe, il veut les grains. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit les... va prendre quelque chose pour tirer les grains, parce qu'on frotte ou on prend la branche entre les doigts et on sépare le bois de la graine qu'on va manger. On va le dire. Supposez, par exemple, vous avez un épi de blé. Généralement, quand vous le faites griller, qu'est-ce que vous allez manger? Vous allez manger les grains. Comment vous allez les sortir, les grains? Vous les sortez avec les doigts et vous roulez de manière à séparer le grain de sa tige pour le manger. Tout cela, c'est de telle sorte que tu te rappelles que c'est Shabbat et ne pas te permettre de faire quelque chose au-delà qui peut assimiler l'usage à l'usage de Hol. Alors, Yechnissan, je répète, Habilis Sea, Ezo Bekoranit. Yechnissan Laetim, s'il les a déposés en vue de devenir Etim, c'est-à-dire sec, pour les utiliser comme combustible. Même s'il a besoin de manger de ça, lui, il n'a pas le droit de prendre. Koranit, c'est le thym. Quoi? Koranit, c'est le thym. Thymin. On va voir. Ah, ça arrive. Ça arrive. Les ma'achal behema, s'il les a entreposés pour servir d'alimentation pour la behema, mistapek mehen beshabbat, il peut les utiliser à manger pour lui-même, Shabbat, à condition bekotem beyad beochel. Il coupe ce qu'il a envie de manger à la main et mange. Et à condition qu'il ne coupe pas avec, par exemple, un couteau, comme pendant le hol. Pourquoi? Parce que c'est ovdin de hol. C'est une manière de faire pendant le hol. Umolel ve'ochel. Ubilbat shelo imlol bekeli. Harbe. Alors, regardez qu'est-ce qui se passe. Molel, quand il prend la plante, il la roule entre ses doigts ou il la roule contre sa main, les deux mains. Comme ça, il sépare les grains, il mange. Mais il faut pas qu'il prenne, par exemple, un plateau, mettre beaucoup et l'imlol otam, c'est-à-dire de les écraser comme ça, de les rouler en les écrasant pour les séparer.
Je répète, il y a deux conditions. La condition, c'est que il doit couper quand il veut manger lui-même de ça. Il doit couper avec la main, non pas avec un quilin, ni des ciseaux, ni des couteaux. Bon, maintenant, il ne va pas manger l'herbe elle-même, il va manger la graine. Pour la graine, il faut qu'il la sépare. Comment il la sépare? En roulant, soit entre les doigts, soit une main contre l'autre, en écrasant la chose. Mais auquel ce qu'il prépare, il le mange tout de suite. Mais il ne doit pas du tout prendre un keli, un grand keli, mettre beaucoup de ces plantes et les écraser de manière à avoir beaucoup de graines. Est-ce que vous pouvez regarder si jamais il y a une question avant que je n'avance? Ça, c'est Rabbi Yehuda, Divrei Rabbi Yehuda. Baou les Hachamim. Hachamim omrim. Molel berashe etzbeotav. Il ne peut que rouler avec les bouts des doigts. Mais pas du tout chez l'Oimlol Bekeli Harbe. Pardon. Mais il n'a pas le droit de prendre, de les écraser une main contre l'autre et les rouler. Hachamim, ils sont plus mahmirim que Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit Molel Beado, peu importe que ce soit les bouts des doigts ou les mains, mais pas le Keli, Arbe. Tandis que les Hachamim, ils disent, il ne peut que être Molel roulé avec le bout des doigts. Ça veut dire une petite quantité. Manger, une petite quantité. Et il ne peut pas utiliser les mains, comme on a dit que Rabbi Yehuda l'a permis. Utiliser les mains. Parce que les mains, ça va préparer plus. Plus. Et peut-être tu ne vas pas manger. Et tu aurais fait un effort Shabbat inutile. Comme je vous ai dit, pour comprendre ça, il faut vous rappeler comment vous faisiez avec les épis de blé qu'on grillait quand ils sont encore tendres. Non, ça ne vous est jamais arrivé. On a raté toutes les bonnes choses, Rabbi. C'est vrai. On dirait qu'on parle à quelqu'un qui descend de la lune. De quel grain vous parlez? Grain de blé. Des grains de blé que vous
Griller. Griller sur le feu. Pour s'entendre. Sinon, vous n'aurez pas compris Ruth. Veitzbotka. Kali. Il lui a donné des gerbes de blé qui étaient grillées. Chloé. On grille le maïs. C'est le blé d'Inde. Le blé d'Inde, oui. Voilà. Mais moi, je te parle du blé, pas d'Inde. Eh oui. Voilà, Bilbad, Shelohim Lol Biado Arbe, à condition qu'il ne roule pas avec ses mains beaucoup, que Derek Shewa Ose Bahol, comme il fait pendant le Hol. Vechen Be'amita, Vechen également, il y a d'autres grains. Amita, c'est. On va voir, c'est la menthe, Amita, la menthe. Vechen bepegam. Bepegam, ça doit être l'anis ou le foliol. Rota, roda. Pegam, rota. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Rota. Rachid dit Roda. Roda, mais c'est. C'est une plante qui est très. C'est un malach. Rota, si un enfant a des sommeils agités. Il n'arrive pas du tout à être calmé dans le sommeil. Il faut lui mettre sous l'oreiller cette plante qu'on appelle Rota. Et il passera de bonnes nuits. וכן בשאר מיני תבלין, שלמם הלכה, פור תו לזפיס, פור תו לזפיס. כאנט לזפיס סונטן גרן, יש פה באקזמפל שום ופרנדר לפואבר, לפואבר סדי גרן, וביין לקוריאנד, Casbourg, en grain. C'est mangeable, on peut les manger. Oui. Pour cela, il faut les rouler à la main, au bout des doigts selon les hachamim, mais manger au fur et à mesure. Ce qu'on prépare, on le mange. Mais on ne prépare pas beaucoup. Alors, la Gemara pose la question, Mai Amita. C'est quoi Amita? Alors on répond Nina, Ninia, Ninia, Nana, Nana. Sea, Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit, c'est quoi Sea? Sea, c'est Satré. C'est quoi Satré? Rashi nous dit, en lachon Ashkenaz, Foliol. Foliol. Folio. Le comment ça s'appelle? Flyo. Ça peut être flyo. Flyo. Mais
Parce qu'il dit ici Zan shel tzemach menta. Qu'est-ce que c'est que Ezov, Maï Ezov? Alors la Gemara répond Abrata ou Abarta. Abarta, Rachid dit Isania. Zatar. Ezov Zatar. Zatar. Mais Isania, c'est pas. Je crois que c'est le Itania, le thym. Le thym, Zatar. Zatar. Oui, oui. Ezov. Ezov, Zatar, Koranit, thym. Beivrit. Koranit. Koranita Shema. Alors, il dit, la Gemara dit, Koranit, c'est Koranita. Shema. Veha, Aoud, Amar, Lehu, Man, Ba'e, Koranita. Vi, Ishtecha, Hashi. Celui qui vendait la Koranita, il demande au public qui veut acheter Koranita. Quand il l'a vendu, Ishtecha, on s'est rendu compte que c'était du hashi. Hashi, Sadria. C'est quoi, Doudou? Ça dit ici, chez Koraniti, oregano ou timin. Comment? Soit l'oregano, soit le thym. J'ai pas bien entendu le premier. Oregano. Oregano. Tout ça, c'est le Ezov. Oui, c'est deux des différentes animes, différentes de la même famille. C'est pas ce qu'on appelle Seh. Hashish. C'est Hashish, Seh. Seh. C'est pour le mal de ventre, n'est-ce pas? Ouais. Alors ça doit être oregano, ça. C'est l'oregano, ça. Ah, c'est pas l'oregano. Non? Non, non. Ma grand-mère disait Tédol Jouf. C'est comme le romarin. Ah, le romarin. Toutes ces épices qui sont, tavlinim, qui sont un peu chauds. Bon. C'est les mêmes épices, c'est les mêmes familles d'épices qui sont forts et chauds. Elasia, Satri, Ezov, Abarta, Koranita, Hashi. Donc, c'est cela, la véritable signification de ces aliments. C'est Satri. On a dit satris, c'est un fléau, foliole. Ezov abarta. Abarta, on a dit c'est le thym. Et Koranita hashi. À peu près dans le genre de romarin. Et voilà, on a fait un peu de. On avait un ras el hanout avec tous les épices. Le botanique. On avait à Marrakech. Il n'y avait pas de possibilité d'acheter des médicaments de la pharmacie.
peu de gens avaient la possibilité. Alors, on avait des gens qui vendaient ces plantes, des plantes, et celui qui les vendait, il savait chaque plante à quoi ça servait. Toutes les propriétés. Ouais. Il avait toutes sortes de plantes. Je me souviens de lui, c'est un vieux, il vous vendait tout cela pour des misères. Parmi les Chachamim, il y en avait quelques-uns qui étaient vendeurs d'épices, qui avaient des commerces d'épices, non? Les épices, c'est des épices chères. Oui. Il y a des fois, il faut investir beaucoup d'argent pour les épices. Mais oui, là, des comptoirs. C'est des plantes. Oui. Quel métier, à part le fait d'étudier, exercer le Orach Haim HaKadosh? Lui, il faisait la broderie. D'or. Ah. D'or. La broderie. Avec des fils d'or et tout, oui. Ah oui, c'est ça. Mon grand-père était comme ça, il faisait des enluminures aussi. Mais là, pour les habits. Pour les habits, oui. Quand je suis allé au Maroc il y a 6 ans, dans le chouk à Mogador, c'est comme ça. Ils vendent les épices en tas, et par poids, et les herbes, beaucoup d'épices. Et quand je suis revenu, j'ai rapporté du paprika et du cumin, et ça ne se compare pas du tout avec ce qu'on achète ici. C'est excellent. C'est beaucoup plus fort. Mais encore là-bas. Eric, oui, vous voulez quelque chose? Oui. Oui. Y a-t-il des questions? Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Amen ve'amen. Bat shalom, mevorach. Bat shalom, Rabbi. Bat shalom. Bat shalom, Rabbi Sabah.